Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà sur notre petit jeu où je dois tout simplement chercher encore quelques petites matières premières. Rien de bien méchant, mais il faut que je les trouve quand même. Et je commence à manquer de place, hein. Donc je vais entreposer des trucs qui me servent pas à grand chose justement ici. Alors, Body, il va nous mettre quoi? Je vais me débarrasser des choses que j'ai pas vraiment l'utilité. Voilà, donc c'est bon. J'ai rempli ce fameux petit coffre. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, on doit remonter là-haut, Body, parce que sinon tu risques de t'endormir. Donc c'est pour ça que c'est super important, par exemple, d'avoir des coffrages bien importants. Alors, je vais juste rectifier quelques ressources. Lithium, hein, ça c'est quoi? Ah, la javel, tu l'as fait avec le dépôt de sel, mec, c'est quoi ça, échantillon de corail ordinaire? C'est dommage que par contre t'as pas des trucs explicatifs qui t'expliquent comment avoir les trucs. Ça aurait été bien. Bon, je peux encore mettre un autre réservoir, mais on va éviter. Même si c'est très tentant, je vous le cache pas. Une autre armoire pour stocker des choses. Je me dirais que ça serait vraiment utile d'avoir justement une autre armoire. Je regarde un truc. Allez, soyons fous, c'est quoi? Faisons une autre armoire. Allez, comme ça on en a deux. On va stocker les trucs un petit peu moins importants sous l'eau. Voilà. Je vais plonger en dessous. Mettre une deuxième armoire. Que bien évidemment j'ai pas pris. Elle est restée là-haut. Ok, merci pour la jolie crampe. Je m'en souviendrai. Je commence très très bien mon truc. Est-ce que t'as pris l'armoire? Le câblage. Ah, il y a de l'or en fait. Donc l'armoire en question. Ok, ça s'est ajouté où ce truc là? Ah non, libérer un peu d'espace, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire justement. Attends. On a tellement peu d'espace, je vous jure, qu'on est très très limité. Du verre. Ah, oh là là, laisse tomber, ça prend encore plus de place ce truc là. Je pensais que le propulseur c'était le plus grand, mais oh le truc de dingue. Bon, dépose-moi l'armoire Body parce que ça devient urgent là, de se débarrasser de cette connerie. Ah ouais, non mais là ça devient n'importe quoi leur truc. Allez, vas-y, hop. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Woody, il a toujours des problèmes en fait avec ces conneries lui. Armoire. Cool. Ouverture. On peut stocker quoi maintenant? Eh vas-y, normalement t'es censé ne plus être là. Ah, parce que j'en ai deux des armoires. C'est vrai, t'en as fait deux d'affilée Woody. T'es déjà zappé. Alors je vais stocker les trucs. Par exemple, ça, on va le stocker. J'en ai pas besoin parce que, bien évidemment, j'ai plus de piles. Donc, je vais en prendre une autre armoire. J'espère qu'elle va pas partir. Je sais pas où c'est là. Stocker du dépôt de sel, du verre. Un couteau, je vais le garder. Voilà. Je vais tout stocker. En tout cas, après, je sais que ça restera en bas. Par contre, je sais pas si. Normalement, il n'y a pas de dégâts. Possible, donc du coup c'est bon, parfait. Donc, on a trois armoires, donc ça faudra même pas que je le bouge. Faudra que je me fasse un tuyau imaginaire pour voir en fait où est-ce qu'on trouve. Ah, tu peux monter aussi par l'échelle, on peut admirer la. Eh, c'est magnifique, regarde-moi cette planète. Rah, franchement, l'univers ça me passionne tellement, ça me passionne, mais un truc de dingue. Tous ces planètes, tout ce système solaire, c'est vraiment très intéressant, c'est captivant. Bon, j'ai mes trois trucs ici. Ce qu'on doit nous faire, personnellement, c'est récolter encore quelques ressources. Mais lesquelles? C'est l'argent maintenant qu'il nous faudra. C'est pas évident parce que faut que je trouve juste un petit cratère. Ça va péter. Oh, les têtes chercheuses, ces trucs-là. Même si je m'enfuis, ça me touche quand même, hein. Faut pas s'aventurer dans n'importe quelle grotte, j'ai l'impression, je te jure, ils veulent pas nous laisser respirer. Petit con. Je vais récupérer le soufre. Bon bah je suis mort. On recommence. Ça veut dire que cette zone là, elle est quand même assez hostile, hein. Elle est juste en dessous de chez moi. Donc attention les amis, hein. Elle était à 40 mètres. Ah mais je peux encore ? Drôle de jeu, je te jure. Oh. Là, je suis vraiment mort. Non?
Pas encore? C'est quoi ça là-haut? Oh le délire, j'ai 0% mais je suis encore en vie. Donc comme ça je vais stocker les poudres. Attendez. Il est où mon truc? Voilà, donc mes balises normalement sont censées juste à côté. Cool. Ça me permettra de stocker ces fameuses poudres. Inventaire sécurisé. On redescend. C'est comme une mini sauvegarde ce truc là. Stock ça là. Alors, on va stocker les fameuses poudres ici. Voilà. Je vais remonter là-haut parce que franchement, ça m'évitera de remettre les poudres. Moi, je sais, s'il y a un truc qui manquera, ça restera en bas. Je vais me faire en fait un coffre pour chaque truc, en fait, j'ai l'impression. Ça va devenir plutôt cool. Alors, j'étais où tout à l'heure? Donc là, faudra que je meure dans pas longtemps. En fait, moi, comme un compte, j'ai cru que j'étais vraiment décédé, mais finalement, non. Cette pierre-là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Et qu'il y a quelque chose de secret, caché. Pour ça, il faudrait que j'ai un laser, à mon avis. Le truc qui détruit, qui parlait justement de la destruction. Alors, on a quoi, là? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Faut que je trouve les trucs d'argent ou de diamant, là. Là, je tombe toujours au même point, quoi. Alors, faudrait qu'on commence à mieux s'orienter, les amis. Donc, attends. Ça va me péter à la gueule ce truc là, donc il vaudrait éviter parce que justement j'ai repéré le péter. Là il n'y a jamais rien d'intéressant. Ok. Dans la grotte là-bas, peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, mais j'en doute parce que là, ce qu'il y a là-haut. Là. Oh, l'argent, c'est le truc le plus chiant à trouver. En fait, il est toujours bien planqué le truc. Là il n'y a rien. C'est un cul-de-sac. C'est exactement la même chose. Faut que tu fasses gaffe à ton niveau d'oxygène, body. Tu sais quoi, je vais me tuer, je m'en fous. Comme ça, on sera 100% après au cas où je trouve vraiment un truc intéressant. Allez, on va pas se tuer tout de suite. Aïe, 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 il y a un truc qui me déstabilise. Je vous le cache pas, c'est... Donc, attends, mon vaisseau est tellement loin. En fait, je tombe toujours au même coin, j'ai l'impression. Je suis toujours dans cette fameuse zone. Je sais pas ce que j'ai, en fait. Je suis tombé amoureux de cette zone, j'ai l'impression. Ramasse le poisson, body. Faut qu'on trouve des écailles sur lui. Il y a quoi d'intéressant en bas? Non, ça, c'est encore l'argent, l'or. J'ai pas eu la chance encore de trouver, comme la dernière fois, du premier coup, une grotte en fait. Donc une grotte d'argent, corail violet, regardez bien. Ah, peut-être ici. Attendez juste un instant. Ouais, non, c'est du quartz. Donc ici, on aura peut-être des meilleurs trucs. Attention. Oh, putain, il m'a fait sursauter celui-là. Ça y est, je suis mort. Non, en fait, il n'a pas réussi à sortir de son propre nid. Ça, c'est bien, ça. Il y a quoi d'intéressant, ici? J'aurais dû surveiller mon oxygène comme un pauvre con. Là, je pète, vraiment. Là, je pétais vraiment, parce que j'ai senti le petit malin arriver derrière mes fesses. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien. Comme ça, je redémarre à zéro. On descend. L'inventaire est vide, regardez. C'est quoi? Je vais essayer de plonger maintenant vers là-bas, la carcasse. Tonk, tonk, tonk. Mes caisses sont là-bas. Cool. L'argent, la mine. Et après, on pourra enfin peut-être se faire des structures. Je suis désolé de galérer autant, mais... les matières premières sont pas forcément à portée de main. On a encore de la chance, c'est qu'on se nourrit pas. Si on devrait se nourrir, ce serait un peu plus chiant. Donc là, je suis déjà passé. On va éviter de passer 20 fois au même endroit. Body prépare le scan. Comme ça, on se fait cette petite caisse. Il
faut savoir aussi que dès que vous allez scanner ce genre de caisse et vous mourrez juste après, vous êtes mal, hein. Vous recommencez. J'ai obtenu quoi? Du titane. Oh là là. Ah là 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 là. Du titane encore. Remontons un tout petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Champignon acide. Ah bah voilà. Ah non, c'est pas ça. En fait, je suis con parce qu'en fait, ce truc-là, il peut m'expliquer vraiment qu'est-ce qui me manque en fait. Attends. Bon, ça me dit pas forcément tout, hein. Ça va pas dire qu'est-ce qui se cache derrière le rocher, hein. Ne t'inquiète pas non plus, hein. Ça, on sait très bien d'où ça sort. Tiens, tiens, tiens. Faut qu'on trouve vraiment les bons trucs. Putain, là, faudra que je descende avec mon autre truc, là. Tiens, 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 des profondeurs bien plus intéressantes. Par contre, la batterie, ce qui est dommage, c'est que ça descend super vite, le petit engin, là. Il y a quoi ici? Il y a rien. Il y a des rochers, hein. Moi, je vous dis que c'est pas pour rien. Corail plat rouge. Putain, c'est ça qu'il me faut. Oh, la pierre qui me bloque. Chiotte. Oh non, ils sont pas sérieux. On se refait, on retable demi-tour. Et je nage tellement lentement en plus. Oui, donc c'est là-bas le corail qu'il me faut. Plat rouge. Je commence à me perdre, les amis, là. Là, on est quand même à une profondeur assez élevée. Ça va se jouer dans... à peu de choses près. Vraiment à peu de choses près. Attendez, parce que là, l'oxygène va être très, très, très limité. Mais ça va, ça reste quand même tendu. Donc, allez, allons chercher le truc, là, le corail. Donc, il y a des pierres qui bloquaient ça il y a quelques instants. Tiens, une caisse à scanner supplémentaire. Peut-être qu'on va débloquer un truc intéressant. Non, pas du tout. Tiens, 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 c'est quoi ça? Tu vois, ça dit juste morceau de calcaire, mais ça te dit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme truc. Par contre, ne rêvez pas, hein. L'argent, ça se trouve pas ici, hein. Faudra pas rêver, hein. Faut que je trouve le truc, attends. Corail violet, corail plat rouge. Merde. Oh, je deviens fou là ou quoi? Attends, je remonte un peu. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore à proximité? C'est quoi? Je vais moins me prendre la tête. Je vais découvrir le truc. C'est quoi? On va pas s'embêter à chercher un truc en particulier. On va essayer de tout chercher. Donc, je suis très très loin maintenant de mon engin. Donc, à la moindre petite secousse, je risque de mourir, hein. À moins d'être très malin. Débris métalliques, j'en ai pas l'utilité. J'ai le seul avantage pour l'instant, c'est qu'il fait, il fait bon. Donc, qu'est-ce qu'on a un peu plus loin? Je regarde. Et je reprends un peu d'oxygène, même si. Il est où le truc là? Ah, on est de plus en plus proche. Qu'est-ce que tu veux que je scanne? Ah, il veut que je scanne ça? Ça se ramasse pas par contre. Chiotte. Ah si, peut-être ça se ramasse, hein. Ah oui, c'est pas les mêmes, regarde, acide. Non, si, si, j'ai rien dit. Il y avait un autre truc tout à l'heure que j'avais ramassé, était bleu. Non, en fait, t'as ramassé des mêmes conneries. Ah, dommage. J'ai vraiment cru il y a quelques secondes qu'on allait avoir un nouveau truc. Merde. Ça, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Mon inventaire, je suis sûr qu'il est presque... Non, ça va, j'ai de la chance. J'ai un petit peu de chance, mais bon. Là, je préfère encore remonter un peu.
Ah, qu'est-ce que c'est pas évident de trouver des bons trucs tout de suite. Merde. En plus de temps d'aller maintenant vers chez nous. Attention, c'est là que ça va devenir plus dur, Body, parce que tu te rapproches d'une zone extrêmement sensible. Comme vous pouvez voir, ah, il y a un coffre là-bas. C'est pas pour autant que je vais être sorti d'affaire, je vous le dis. Hein. Faudra qu'on fasse une petite prouesse technique. Laquelle? Passer par le haut, descendre par le bas, scanner tout ça rapidement sans se faire détecter par le gros molosse. J'ai débloqué quoi? C'est bon. Cool. On a débloqué un nouveau jouet, mais bon. Rien n'est sûr. Hein. Je peux mourir entre-temps et du coup on repère tout. Parce qu'il y a de la radiation, il y a des monstres plus en plus énervés. Mais comment je suis parti extrêmement loin de mon vaisseau? J'ai même pas envie d'y aller là-bas parce que je sais pas ce qu'il peut y avoir. Il faudrait qu'on capture une espèce. Merde. Il faudrait qu'on capture cette espèce. Voilà, j'ai débloqué quelque chose. Cuit. Ok, bon, je peux la manger. En fait, ça permet de la bouffer, ce truc-là. Tu peux la relâcher après aussi. Tu peux la reprendre. Ok. Aventurons-nous un tout petit peu plus loin encore. Je pense que ce jeu-là, tu peux y aller où tu veux. Hein. Donc là, il y a quoi là? J'ai suffisamment de ressources. Ouais, bah là, je peux y aller franco. Hein. En tout cas, le métal, je vais le laisser un peu là où il est. Christo, c'est... Putain. Putain, putain, allonge-toi. Oh, c'était moyen quand même là. Ah, ils sont chiants ces bestioles. Tiens, il y a le gros cochon qui est là. Ah oh, ouais, non, mais non, mais non. Je vais pas mourir moi. Bah si tu dis ça, faut que tu respires en tout cas. Hein. Donc il faut qu'on retourne au vaisseau. J'ai débloqué quelque chose, mais je sais pas encore quoi. À moins qu'il fasse nuit, parce qu'il y a d'autres espèces beaucoup plus chaudes qui peuvent sortir. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi tous ces débris là-bas en bas? Fais gaffe à ta profondeur, justement, Body. C'est quoi ça? Du quartz? Il y a quoi là-dedans? Il y a pas un truc pour m'aider, sérieux, des fois? Ah, il y a un coffre. Putain, Body, qu'est-ce que tu fais? Non, ça m'a rien donné d'intéressant. Merde. Encore du titane. Je remonte parce que là... En fait, ce qui est chiant, c'est que dès que t'as pas beaucoup de bouteilles d'oxygène, bah tu galères un peu à faire que des va-et-vient entre les plongées. Mais bon, je peux y aller au-delà hein, des bouteilles, mais après on va rien ramasser, donc on va faire encore plus d'aller-retour dans nos coffres. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a des sacs aussi. Je sais pas quoi peuvent servir les sacs. C'est quoi ce truc? Ça m'a donné quoi ça? J'ai ramassé une valise, mais ça sert à quoi la valise? On verra plus tard. Pour l'instant, je reprends la lampe torche et on poursuit. Tiens, 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 peut-être qu'il y a un truc. Attends, merde, vite. Putain, il y a que des trucs pourris. J'ai plus de piles? Ah non, tu peux l'éteindre. Ah oui, ok, c'est bien fait. Tu peux l'éteindre pour éviter, à mon avis, d'attirer certaines espèces. Ok, c'est cool. Il y a un coffre là? Non, j'ai cru que c'était un coffre. Attends, attends, attends. Je commence à me chier dessus, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un jeu qui est pas dangereux, mais j'ai peur. Maudit la peur. Bah ben oui, j'ai peur. Il y a des poissons de tous les côtés. Attends, je remonte un peu. Coucou, j'ai éteint. Coucou, j'ai allumé. Coucou, j'ai éteint. Bon, prends un peu d'oxygène, s'il te plaît. Où est-ce que j'habite, moi? Vers là-bas. Bonne chance. Tiens, on va scanner ça.
Oh, ça donne rien d'extra. Ça donne que dalle, là. Vous savez comment ils rigolent, les espèces? Scanne-moi ça. Ce truc-là, il doit être tellement gros, à mon avis. Non, ça va. Allez, on rallume la lumière. Attention, parce que je crois qu'il y en a une. Et attends. Ah, ça, là, 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 là. Donc, on habite très, 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 très loin. Ah. Pourquoi, comme par hasard, dès que je fais mon let's play, je trouve pas les trucs, et dès que j'étais hors vidéo, j'ai trouvé tout de suite comment réparer le vaisseau. Je vous jure, je mens pas. Hein. Ah, j'ai découvert quelque chose. Du plomb. Après, on va virer certaines choses, hein, je vous le dis d'avance. Du cuivre. Après, faut que je prenne des champignons acides, vas-y, tant qu'à faire, on en prend plein. Ça, on pourra faire les piles. Parce que je suis plein au niveau de l'inventaire, cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, oui. Donc, il faudra que tu retournes à la base body. Bien reçu, chef. Pour ça, là, maintenant, les propulseurs m'auraient bien aidé. Mais ça va, je crois que c'est à côté. Attends, fais voir. Non, c'est pas si à côté que ça. En fait, pour trouver l'argent, il faut aller beaucoup plus profond. C'est caché dans des grottes, là où il y a le gros costaud. En fait, le monstre sous-marin, quoi. Alors j'imagine pas si on devait avoir une survie avec de la nourriture, etc. Comment ça aurait été chiant, sérieux? Parce qu'en fait, là, il n'y a rien qui change, hein. C'est la même survie, c'est le même truc. Bon, peut-être que les monstres sont un petit peu plus énervés dans le mode de survie. Mais c'est pareil, hein. Au moins parce que tu morfles quand même, hein. Ah ouais, t'as de l'énergie aussi. J'ai jamais fait gaffe, en fait, que j'ai aussi de l'énergie pour l'éclairage. Donc ça veut dire que si tu construis une base... Rien n'est acquis en fait. Hein. À mon avis, ta base, faudra toujours aller chercher des matières premières pour pouvoir justement ensuite l'alimenter au niveau de tout ça quoi. Ah ouais, ça va pas être, ça va pas rigoler. Hein. Donc ça y est, j'aperçois le bout du tunnel. Hein. Après, ça se passera bien. Ah, ils me font flipper les espèces comment elles gueulent. Hein. Tu es fou! Elles font beaucoup de bruit. Remontons maintenant là-haut. Je pense que j'ai suffisamment de petites choses qui pourront peut-être améliorer notre équipement. Je suis pas encore certain, mais... On verra bien. C'est quoi ça? Donc le bateau, on y était tout à l'heure à côté. Allez, descend. Ok, j'ai le lingot. Donc la pile, c'est bon. On pourra faire plusieurs piles, justement. La grosse pile aussi est derrière. Non, il va nous manquer du truc, hein, du silicone. Hein. Tiens, tiens, tiens. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire là? C'est juste ça qui manque, putain. Le minerai d'argent. Oh non. Le minerai d'argent, c'est le seul truc qui nous manque, je vous jure. C'est le seul truc qui manque, c'est le minerai d'argent. Je suis dégoûté. Et après, pour faire le truc ici, circuit machin. Et pour faire le circuit, c'est le minerai d'argent. Tiens, on a débloqué un nouveau truc. Lingot de titane, lubrifiant, batterie de haute, machin. Ça va servir à quoi ça? Ah, je sais pas du tout, ça peut servir à quoi. Donc le lubrifiant, je sais où il est. La batterie, on va la fabriquer tout de suite. Donc la fameuse grosse batterie, attends. Déjà, je vais faire le gros titane. Encore un peu, non, c'est bon. Donc la batterie.
Ok, donc on va y aller juste en dessous, piocher tous les trucs qu'on a besoin. Je crois que t'as pas suffisamment de trucs. Tu sais quoi, poudre, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, je prends tout ce que je peux. On s'en fout. Je prends deux par deux. Ah, de la maille. Là, c'est quoi ça? Du verre. Je sais même pas si ça va servir. C'est juste le truc d'argent qui va nous manquer. Chiotte, quoi. Alors maintenant, on refait un tour là-dedans. Voilà la batterie. Je peux en faire même plusieurs, c'est ça qui est bon. Alors, avant de me lancer sur n'importe quoi, je préfère regarder aussi ce qu'on peut débloquer par un pur hasard. Hein. Soudeuse. Voilà, c'est bon, on a la première soudeuse. Trop cool. Ça me permet de réparer enfin le réseau. Le réseau, le vaisseau. Ok, donc ça on sait à peu près. Il y a des trucs que je sais, des trucs que je sais pas. Circuit machin. Tu vois, on peut se faire le nouveau truc là. Générateur de courant. Ok. On a débloqué pas mal de petits trucs. On peut se faire un deuxième machin. Valise de véhicule. Cool. J'ai pas de place, ça veut dire, c'est ça? M'a dit, il va prendre la soudeuse. Bougez pas. Alors la soudeuse, je l'ai où la soudeuse? Elle est là. Voilà, cool. On a déplacé un peu l'inventaire. On va réparer le vaisseau maintenant. Si j'y arrive un jour. C'est bon, on répare. Je vous avais pas menti, hein. Je pouvais juste trouver les bonnes matières premières. Et après, tout le reste est fait. Avait quelque chose encore à faire, non? Non, c'est bon, parfait. Normalement, ça va se remettre tranquillement en marche, tout ça. Voilà. Et là, je pense que tout est ok. La soudeuse, c'est parfait. Ok. Là, quelque chose peut-être à réparer, non? Bon, ça, je pense pas que tu peux faire quoi que ce soit avec. Ok. Donc, on a fabriqué la soudeuse. On a des matières encore premières ici. Ah, maille de fibre, donc ça c'est bon. Après, il y a des choses que je vais découvrir en fur et à mesure aussi. Hein. Putain, minerai d'argent. Chiotte. Le seul truc qui manque, c'est le minerai d'argent. Et après, les échantillons de corail plat. Corail plat. Bon, fais de la batterie, body. Elle est immense, cette batterie. Une nouvelle armure. Arrête. Combinaison anti-radiation. Allez, vas-y, soyons fous. Cool. Et après, on aura une beaucoup plus puissante. Mais pour ça, il faudra du minerai d'argent. C'est pour ça, vous voyez, minerai d'argent, on l'a pas si facilement. Des nouveaux outils. Pile. Pile, c'est pas compliqué. On en fera d'autres. Mais il faut que je garde des piles après. Ok, j'ai de l'énergie. Suffisamment ici. Je vais déposer la soudeuse parce qu'elle sert pas à grand chose justement la soudeuse à première vue hein, donc après je vais pas m'avancer non plus sur ce que je dis hein. Donc faudra après chercher des algues qui seront un peu plus bas. Ok, je sais pas du tout c'est quoi ce truc là, on va le tester justement maintenant. Déploie la balise du véhicule. Ah oui, ça doit être peut-être en dessous ça. Arrête, ça peut être trop cool si c'est ça. Balise du véhicule. Non, non, non. C'est à quoi la balise du véhicule? Tu peux m'expliquer? C'est quoi? Par précaution, je vais la mettre là. C'est à quoi ce truc-là? Ah oui, attends. J'ai pas compris à ce truc-là. J'ai pas compris là, c'est quoi, attends. Drôle de truc, hein, le véhicule pour l'instant, mais attends, je regarde.
Ah, j'ai pas compris, c'est quoi ce truc-là? Ah, j'ai pas compris, ça sert à quoi le truc de véhicule là? On aura l'occasion de le tester, vous inquiétez pas. On aura l'occasion. Donc mes trucs sont là, mon véhicule est là. Et petit à petit, vous voyez, on commence un petit peu à déployer les nouvelles choses. Je peux pas avancer avec le truc? Non, moi je plonge d'office. Ok, donc le véhicule reste ici. Il y a quelque chose à faire à mon avis. Peut-être avoir l'exp... Je sais pas du tout. Peut-être récupérer des matières premières. Je récupère un peu de champignons pour faire des piles. Après j'irai chercher le fameux truc qui nous manque. Voilà. Retournons à l'intérieur. Prenons après du cuivre et on va se faire une petite batterie bien sympatoche. Alors, je reviens ici, je me remets un petit peu de du cuivre. Donc là, j'ai un peu abusé hein, niveau machin. C'est quoi? On les prend même tous. Après, je les jetterai. Donc, les batteries. Normalement, je suis censé peut-être faire deux piles avec. Voilà, deux piles, nickel. Donc, c'est bien ce que je voulais entendre. Ça, je m'en fous. Le scanner, on peut le faire aussi. Circuit intégral, alors ça. Ok, je peux me faire un autre truc, un autre rangement. Du lubrifiant, donc on sait où ça se trouve. Bon, on commence un petit peu à savoir maintenant où les choses se trouvent. Hein. Donc ça va, c'est déjà un bon point positif. Mais construit des matériaux à partir des véhicules bruts. Construit des véhicules à partir des matériaux bruts. Ouais, ok, après. Bon, bah. On va s'amuser. Dépose-moi tout ce que tu veux maintenant. Donc ça, c'est des batteries qui vont pas nous servir à quoi que ce soit. Alors, rapidement, je vais jeter ça. Donc, les trucs de plomb, on va les mettre là. Le sac, je sais pas à quoi il peut servir. Ça donne des déplacements un peu rapides, je crois. Des emplacements rapides. Bougez pas, je vais voir en dessous. Je vais poser le sac. Mes balises sont là. Allez, tant qu'à faire, posons le sac. Ah mais après tu peux rien faire. Ouais, je sais pas. Ça, je suis un peu sceptique là-dessus. Bon, je vire les champignons, moi. Voilà. On s'est débarrassé de tout ça. Ok, rapidement. Dedans, donc là on a quelques trucs. J'avais complètement oublié qu'on a de la mousse, on a pas mal de trucs aussi, du cuivre, donc ça c'est bien. Ça m'évitera d'aller en chercher spécialement. Donc c'est là, normalement. Ah oui, tu peux fermer aussi les trucs. Ah, tu peux les renommer. Trop bien. Le gros propulseur, là il me le faut. C'est parti, on va le prendre rapidement. Et maintenant, tout a besoin de batterie. Ah, par contre, j'ai pas respiré comme un con. Allez, on y va rapidement. Donc, du coup, attends. Donc, ma balise est là. Faut que je trouve vraiment des endroits bien cool maintenant. Putain, ça, je peux pas. Ah, mais comment je descends vite au niveau de l'oxygène aussi? J'ai un problème ou quoi maintenant? C'était quoi ça? Merde, c'est pas ce que je voulais. Faut qu'on trouve l'argent. L'argent, 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 l'argent. Ça sera pas là. Hein. Ça, c'était du plomb, mais bon, j'ai abandonné l'idée. Qu'on aille beaucoup plus dans les profondeurs. Je regarde vite fait si mon niveau d'oxygène y baisse. Ou il baisse quand même assez vite. Hein. Donc, ça doit être quelque part là, 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 là. Non, c'est pas la body. Je remonte maintenant. Ok, remontons rapidement. J'ai pas l'impression que ça va vite ce truc-là. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet d'aller chercher très très rapidement les ressources. Mon vaisseau, il est pas loin. C'est un gain de temps de dingue si on avait ça en illimité, hein.
Maintenant, j'ai plus besoin de faire le feignant. Ok, donc là, vous avez pu voir, hein, ça commence à bien progresser, mais pourquoi j'ai pris les algues pour faire encore plus de lubrifiant? Parce que c'est le truc qui nous manquait justement. Ok. Ça, je vais vite faire bosser sur les lubrifiants dans cette petite extension. Allez, lubrifiant body. On va faire vite fait de l'huile. Voilà, et là, du caoutchouc. Tu vois, des matières qui vont vraiment nous aider pour pouvoir ensuite améliorer des trucs. Putain, faut vraiment que je trouve ces fameux circuits à la noix là. Kit médical. Ok, fibre de maille. Ok, ça faudra qu'on le fasse plus tard. Justement, ça m'évitera de mourir comme un idiot. Ça, je sais pas quoi ça va servir, mais bon, on verra bien. Est-ce que j'ai de la place? Oui, t'as de la place. Donc, mets le petit truc de Javel et t'avais fait ça. Parfait. J'ai encore une batterie au cas où, hein. C'est ça qui est plutôt cool. Alors, allons-y rapidement. Donc, c'est pas ouf. C'est quoi? Je vais peut-être y aller encore plus bas. Vers chez moi, là-bas. Faut vraiment que je trouve ce minerai un peu plus rare. Je sais pas c'était quoi, j'ai pas pris comme un con. Donc là, on sait à peu près où on est. Donc c'est là que vous avez trouvé d'habitude de l'argent, tu vois, de l'or, je viens de trouver. Je remonte. Je me suis pas trompé, je vous avais dit hein, qu'on allait trouver des trucs beaucoup plus en profondeur justement. Donc l'or, ça va me permettre de pouvoir être un peu plus tranquille. Attends, je préfère remonter par sécurité parce que ça m'évite de revenir à chaque fois chercher l'or en question. Il est où la balise? Elle est là-bas. Je sais que je perds comme un con du temps, de l'énergie en fait en faisant ça. Mais c'est pas grave, hein, je préfère faire ça tranquillement. En tout cas, je sais que j'ai de l'or maintenant. Je vais sécuriser mon inventaire. On a pas beaucoup de pourcents, donc j'espère que la deuxième batterie va fonctionner. Ok, donc je vais stocker tout simplement le fameux minerai d'or, la petite pépite. Et maintenant, on va chercher de l'argent. Espérons que la deuxième pile va fonctionner. Ça m'arrangerait grave. Bon, je fais R pour recharger. J'en ai plus. Oh merde, j'en ai plus. Oups, on est comme des cons. Bon bah tant pis, hein, il faudra qu'on en fasse d'autres. J'ai bien pu profiter tranquillement de ce petit truc. Mais en fait, ce qui nous a pris, c'est notre armure aussi, hein. Faut dire qu'on en avait crafté deux des piles. Mais notre armure, on l'a consommé deux trucs. C'est pas grave. Moi, comme je dis. L'essentiel, c'est qu'on a un petit peu une pépite. Mais par contre, à quoi ça sert l'or? Juste par curiosité. À crafter quoi? Un circuit plus rare, je pense. Rapidement. Ah, il en faut deux. Pour le câblage avancé. Donc, tu vois, ce qui me manque, c'est juste ça. Putain, deux mines d'argent et après, c'est bon, c'est fini et on est tranquille. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Ok? Gros bisous!